Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Bienvenue dans cette émission réservée exclusivement au football local. Donc, Baïsewe Tank, donc, Balanga Lah Diaye, Nga Lah Lek. Donc, Taïdani Lah Lek, même si tu es record l'année, Taïdani Lah Lek, Dengue Khede. Donc, après la 25e journée de Ligue 1 sénégalais, c'était l'avant-dernière journée. Donc, week-end bi, l'année a rejoué la dernière journée du championnat du Sénégal. Gis nañ né amna joueur xamné illustré wu nañ comme Assane Bodj autant de doublé avec les Jaraf lui batté Lemi Diouf donc mi nga xamné toj na donc feulé ci Biram Daw Deni Biram Daw Sadio Djibril Diagne dako toj donc lui le meilleur buteur actuellement de la donc du championnat sénégalais avec 11 réalisations. Il veut succéder à Amadou Ndiaye, donc c'est la tradition à Génération Foot. Donc Ibrahim Niang dafa jël meilleur buteur jox Amadou Ndiaye jox Jean-Louis Baté Lemi Diouf, même si dès na ben journée il est bien parti pour être le meilleur buteur du championnat sénégalais. Feuille Mbour, Stade Mbour Linguère 2-0. Raymond Diemendour, mon double déjà buteur la semaine passée. Raymond Diemendour a mis un doublé pour donc ensevelir ou bien pour amener la Linguère vers la Ligue 2 Sénégal. C'est la première donc relégation de la Linguère dans la Ligue de football professionnel. Assane Bourg aussi c'est bien donc illustré avec donc le Djambou donc avec le Jaraf de Dakar au Niambour de Lougar. Niambour donc club Massek Sylla, Ousmane Mbaye, Al Amin Gueye donc Al Amin Diop, ñom Talla Gueye Bambis, Abou Sylla Bandiaye. Donc Niambour da néna fekki do len 2-0 donc wa Jaraf jappu sen Niambour parce que buñu jappor sen Niambour duñu fekki wa Niambour 2-0. Donc l'enfant de la Medina, l'enfant de Santiago Assane Bodj a réalisé un doublé donc Casas pour Sonacos 0 but partout donc fof ninal le donc wa Sonacos do indi diwline bi néna acca tay de mom day nin comme niko Kaouman di bëggé donc tay ninal le 0 but partout mais Ousmane Mané c'est bien illustré lui qui veut être donc parmi les sélectionnés d'Aliou Cissé pour la CAN 2019 pourquoi pas mu nek 3e gardien Feuille Ci Pikine Alassane Djigo Pikine bu momo fay Ibrahima Sédar Sène donc Samba Ndiaye Pikine dafa nul 2 but partout ak Goré donc wa Goré dañu Goré wa Pikine dañu Goré motax ñu nul 2 but partout ndam demul ndam diku Goro Diagne Diop mo nek homme du match il sait bien illustré donc face à Lies Pikine en ouvrant le score donc lool mo nek classement bi donc gis nañ légui lérna Linguère ak Sonacos ñoo wacc Génération Foot est premier Jaraf est deuxième donc lool lérna pour l'équipe donc pour la Ligue 1 Sénégal ñu dem ci rak ji Ligue 2 sénégalaise Ligue 2 bi gis nañ né la Guédiou Football Club raté na la montée après sa défaite à domicile face à Djambar donc Djambar prend une option par Djambar actuellement prochaine journée Djambar bu nulé rek je pense day dem donc day dem Ligue 1 sénégalaise parce que Golaveras bi mu rawé Eji Fatick mo bari rawena Eji Fatick rawenako 18 buts donc plus 34 pour Djambar plus 16 pour Eji Fatick l'équipe de Amadou Tine de Cheikh Tidiane Ndaw borom Djahaw Malie Begu Bax Cheikh Tidiane Ndaw donc Djambar bu amé nuit rek day qualifier mais buñ ko doré Eji Fatick dor je pense que Djambar mom day fori te Djambar bu demul première division ça sera une grosse perte parce que depuis le début de la saison mo nek au devant de la scène donc deuxième division donc ñen on a dem national 1 moy yego mo gëna jégué ak etis mom dem na paré yego nak je pense que yego tuñ bu baax motax nar nañu dem national 1 bu ñu ñëw national 1 amna ñuy yegg tamit parce que affaire non la ñi dañuy dem ñi di ñëw deux voies liberté ici ñi bu ñuy yegg ñi di wacc donc ñi dañuy wacc yego ak etis dañu nara wacc mais donc ñen ñoy rek moy Demba Diop ak Thiès FC donc Demba Diop ci poule A bi national 1 mo jël premier donc day yegg parce que rawena 5 points ki di Kayor Foot donc ñom ñu wara jouer dess na 2 journées à 2 journées de la fin donc prochaine journée Demba Diop bu gagner rek c'est fini il va aller à la première division sénégalaise donc Demba Diop c'est l'équipe de Mbour donc parce que wotu katé tefes lané Demba Diop wotu lycée Demba Diop motax ñu tuyé sen équipe bi Demba Diop donc sont des Mbourois et fiers donc Kayor Foot mo jël 2e l'équipe de Djali Kobali Ndiaye Aïss Saloum donc l'équipe formateur de Papi Djila Bodju mo jël 3e avec 33 points donc gis nañ né Demba Diop bu doré rek day yegg parce que national 1 ben équipe rek mo yegg feulé ci poule B bi 20e journée à l'issue de la 20e journée donc Walidan mo jël 2e 47 points donc Thiès FC aussi rawena Walidan 5 points 42 37 donc Thiès FC tamit bu doré prochaine journée bi rek day donc day dem première division donc gars dañuy yexal djel bi mais je pense que djel dina am donc tiaxaba la gay dor djall Azel bu refus Azel bu Mor Diop El Capo je pense que il faut attendre l'année prochaine pour essayer de revenir en Ligue 1 donc en Ligue 2 sénégalaise donc gis nañ UGB Saint-Louis donc les étudiants de l'UGB dañu sénégalais bu baax 6e ñoo éliminé Génération Foot actuellement qualifié nañ
pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Je pense que Sénégal gagne le football, l'air. Donc je pense que le football sénégalais local doit plus se développer avec au niveau de l'organisation. Mais jour et nuit football, parce que vous les terrains, bah, je pense que le football sénégal doit se développer. Donc nous avons les fédéraux, les autorités du football, de même que l'État, nous avons pour développer son football local. Parce que nous avons, parce que comme nous avons dit, le football local est dégagé, l'équipe nationale est dégagée. Donc nous avons dégagé, comme ça nous maintenons, nous avons dégagé, 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 nous avons